Welcome to the barbershop. Il n'est pas mal celui-là. Oui, c'est vrai. Hein? Il n'est pas mal. Ouais. Hé! Regarde-moi ça, ma chérie. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Les filles, vous avez vu ça? Pourquoi vos frères noirs, là, quand ils réussissent, ils ne viennent pas m'épouser? C'est ça. Hein? Moi, jolie femme, t'es naturelle. Hein? J'ai envie de les attraper pour leur tordre le cou comme ça. Ma revue, hein? Les hommes noirs, là, ils ont peur des femmes comme toi, qui peut les étrangler dans leur sommeil. Donc, place-toi, je vais bien te coiffer. Quand un homme noir est pauvre, il reste avec ses sœurs noires et tout et tout. Mais dès que le type gagne un peu d'argent, il défiscalise tout. Sa femme, ses enfants, son argent. Il nous trahisse. C'est ça même. Se marier avec une personne blanche était à l'origine une procédure administrative de naturalisation express. Mais là, ils font quoi avec ces filles? Je suis sûre qu'elles les ont sorcelées. Il y a de la magie blanche. Ils nous ont pas mis au rond. Hein. Ils préfèrent les femmes blanches car elles sont dociles. Ouais. Exactement. Elles sont dociles comme la cuisine. C'est ça. L'homme rentre à la maison et voit son assiette. Ketchup, pâte sans sel. C'est de la sorcellerie, ça. J'ai un ami là, non? Depuis qu'il est avec une blanche, il a jamais autant mangé chinois. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous? Mais franchement, ma chérie, ce ne sont pas les fesses. Ah! Parce que ça, là, c'est l'original. Mais c'est ça qui retient grand prêtre à la maison. Le beau baraba. Beau baraba. Ça, c'est pour grand prêtre, ça. Bonjour, mesdames. Bonjour. Il est à moi. Je suis la plus claire. Ça y est, bébé, t'as fini? Oui, chérie, j'arrive. Chérie! Ben quoi? Tu m'as pas payé, hein? C'est pas parce qu'il est blanc que c'est gratuit, hein?